Salut les viewers! Bah oui, tu savais peut-être pas, mais si tu me regardes, tu t'appelles un viewer. Voilà, un gros mot de plus dans ton vocabulaire. J'ai fait des playlists sur ma chaîne. Tu peux aller voir, donc pour l'instant, t'en as deux. T'as une playlist Tula Fox et une playlist sur la bleue du pote. J'ai décidé de faire une nouvelle playlist. On va appeler ça le quoi? Non? Non. Trouve-moi une idée, tu vois, c'est un peu la discussion de bistrot, quoi. C'est-à-dire que j'ai des choses à te dire, pas forcément du contenu, mais tu vas en apprendre sur le futur de la chaîne, tout ça, enfin, il y a du blabla que je veux pas insérer dans les vidéos, de temps en temps, je ferai des mises au point, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'on va... Enfin, putain, mais je vais pas commencer à développer pendant 107 ans, quoi. Bon, qu'est-ce que je fais, là, tout de suite, maintenant? Je t'ai laissé dans la dernière vidéo. Je t'ai dit, demain, je m'attelle à la Fox. Ben non, parce que je devais être en repos, j'ai le boulot qui m'a appelé. Tu peux bosser demain? Ben j'ai dit, ben oui, vas-y, je bosse. Donc comme j'ai bossé, tu comprends, j'ai pas avancé sur la Fox. Tout est resté en l'état, tu vois le bordel. Hein. Ben quand je m'exprime, moi, je m'exprime. Donc, l'ami Nunesh, il va venir, là, j'ai un peu de répit, c'est pour ça que je te filme ça. Il va venir chercher sa machine, tous ces petits trucs qu'il a oubliés. Donc je vais lui regrouper tout ça. Je fais un peu de rangement et après on passe au blabla. Laurent, t'as vu, j'ai changé de suite. Nickel Chrome. Allez, je vous laisse moi, je vais ranger mon petit vis et puis je vous reprends après. Deg, j'ai perdu le truc au bout du comparateur. J'espère que je vais le retrouver. Donc, la mise au point. Si tu as vu la vidéo de présentation de ma chaîne, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, putain, ça tient. Je te dis pour, il fait moins 4, moins 5. Là, je prends sur moi. Je prends sur moi, je donne de la personne. Le mec, il fait que dans la mobilette. Non, bah, je t'explique. On est en hiver, je peux bosser sur les mobs au chaud, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la mob. Le printemps va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Les mobs, on va les rouler avec, on va aller faire des balades tous les week-ends, je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Je prévois de te faire des vidéos de présentation de machines, que ce soit des mobilettes, du 2 roues, même du 3 roues, je pense à une chose notamment sympathique. Voilà, donc des vidéos de présentation, des essais, peut-être des vidéos de balade, mais ça je te garantis rien parce que j'ai envie de te dire que quand je pars en balade c'est pour profiter. Et si tu veux faire une bonne vidéo de balade, tu profites pas de ta journée quoi, tu fais que le caméraman et ça devient complexe. Mais ça veut pas dire que je m'attellerai pas à la chose. Le printemps va arriver, je vais plus bricoler sur tout ce qui est voiture. Les mobilettes ça va être pour se balader. Je te présente le projet qui va suivre la Fox, c'est la TT. J'y vais reculons, hein, je te le dis tout de suite, hein. La TT de la Géraldine. Qu'est-ce qu'on a à faire dessus? On s'en fout, on verra plus tard. Hein. Tu auras une prochaine vidéo là-dessus, tu sauras ce que c'est, pourquoi j'ai choisi ça, qu'est-ce qu'on a déjà fait dessus, qu'est-ce qu'on a à faire dessus. Là, il y a quelques bricoles à faire, de l'esthétique, du... Enfin, voilà. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Elle roule pas l'hiver, mais le but, c'est que pour le printemps, il faut qu'elle soit opérationnelle. Je te parle tout de suite du projet qui viendra juste après ce projet. T'as compris? En fait, c'est que des projets, quoi. Un derrière l'autre. Allez, je te présente ça tout de suite. Remontage d'un moteur VR6, 2,8 litres, 12 soupapes de Vento à l'origine. Je t'expliquerai tout ce que j'ai déjà fait dessus. C'est une remise à neuf. Je t'expliquerai tout ce qu'on a déjà fait dessus et ce qu'on va en faire. Je vais t'expliquer tout de suite dans quoi on va le mettre, comme ça tu sauras de quoi ça cause. Donc voilà, le VR6, on va le mettre là-dedans. Alors pour l'heure, ça ressemble à rien. C'est quoi? C'est une caisse de... Enfin c'est une caisse. C'est devenu une caisse parce que je l'avais complète. Hein. Alors je veux pas me faire insulter, hein. J'ai démonté cette voiture en 2010. À l'époque où une Golf GTI ne valait que dalle.
cette bagnole, parce que j'ai un pote. Hein, ce qu'on s'est fait, quand on s'échange des projets avec ce pote, c'est on se vend ça, comment te dire, prix coûtant. Si tu veux, dans le passé, j'avais une Golf 2 GTI 16, elle me revenait à 500 balles. Ouais, ouais, t'as bien compris, 500 balles, 500 euros. J'ai abandonné le projet, j'ai dit au pote, ça t'intéresse, il m'a dit oui, et je lui ai dit, je te la vends 500 balles. Voilà. Donc cette bagnole, je veux pas te raconter de conneries, mais je l'ai pas achetée cher. S'il se rappelle, il me le dira, je te le dirai quand je représenterai le truc. Mais voilà. Donc tout ça pour te dire, je recommence à raconter ma vie, mais c'est fou ça. Tout ça pour te dire que ne m'en veux pas si j'ai dépouillé cette caisse, ne m'en veux pas si je la remets pas d'origine. Je n'ai plus les moyens de la remettre d'origine. J'ai vendu la mécanique à une somme dérisoire à l'époque. Hein, la personne était très contente de l'avoir. Je pense que lui a remonté une GTI du coup. Donc t'as compris. J'ai sorti une GTI du circuit, mais lui il en a rentré une autre. Donc l'opération elle est bonne quoi. Donc voilà, je te fais faire vite fait le tour de la caisse, parce que à cette heure-ci, c'est juste une caisse. Donc c'est une base de Golf 2 GTI 8 soupapes en gros pare-choc. Et on va remonter notre mécanique de VR6 là-dedans. Donc tu t'imagines, merde, je vais me casser la gueule. Tu t'imagines, c'est un projet quand même assez conséquent, je sais pas. Mais bon, voilà, étant donné que je ne fais pas que ça, forcément, ça va me prendre du temps et ça va te faire pas mal de vidéos. Voilà, je t'ai présenté les deux projets auto qui suivent. Il y en a d'autres, mais je veux pas tout te présenter d'un coup, ça sert à rien. Si tu t'abonnes à ma chaîne pour voir un projet que tu verras pas dans les 6 mois à venir, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Je pense que je t'ai déjà assez informé sur le truc. Et puis je voulais pas te faire croire que contrairement à ma vidéo de présentation, t'allais voir que de la mobilette. Voilà. Donc je te présenterai bientôt ça. On va terminer la Fox. Je te dis pas qu'on va finir la Fox complète. Le but c'est qu'au printemps elle tourne la Fox et qu'elle soit au point. Donc je te dis pas que je vais pas, si j'ai un petit contretemps ou quoi, je vais pas te parler de la TT avant de finir la Fox. Je sais encore pas ça. Après te donner des dates, des chronologies, des trucs, c'est pas évident. On n'est pas à l'abri, c'est de la mécanique, on n'est pas à l'abri d'un petit problème qui chamboule un peu tout. Donc je veux te faire des promesses que je ne saurais tenir. Donc voilà. Donc je te dis ciao et puis ma foi, je vais vraiment me casser la gueule. Je vais te dire à la prochaine. Et puis merci de m'avoir regardé. Cette vidéo elle a peut-être aucun intérêt pour certains, mais elle en a beaucoup pour d'autres. Donc je me devais de la faire. Allez, ciao, à plus!